Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Giroroue. Je suis actuellement en route vers Bruxelles pour le week-end sans voiture. Tout ça dans le cadre d'un road trip bien plus long dont vous apprendrez plus très prochainement. Mais en attendant, on va à Bruxelles rencontrer les Belgium Wheelers, profiter d'une ville sans voiture, exclusivement ouverte aux mobilités douces et quelques autres surprises. Allez, c'est parti, en route Marcel. Voilà, arrivé à Bruxelles, j'ai posé Marcel non loin d'un spot qui m'a l'air assez sympa pour y rester le week-end. C'est un petit jardin d'enfants et terrain de sport où je pense que je serai tranquille et que je ne dérangerai personne. J'attends maintenant Cosmo Wheeler qui va m'amener jusqu'au reste de l'équipe et de tous les gens qui sont déjà arrivés. Allez, on va voir ça tout de suite. Thank you.
Et bien nous voilà à l'intérieur de Tour et Taxi. Alors comme on peut le voir, c'est une expo sur la micro-mobilité électrique. Donc on a plein d'exposants différents. Là on est dans les vélos électriques. Là je vois des fat bikes, je vois des trottinettes, je vois des tas de trucs. Et bien on va aller découvrir tout ça. Et voilà les amis, ça y est, ce week-end sans voiture 2019 à Bruxelles est terminé. Nous sommes lundi matin, les voitures ont repris leurs droits et ont rempli les routes à nouveau. On entend de nouveau des moteurs à explosion et des pneus qui parcourent les routes. Nous, on s'est régalé sur ces deux jours et principalement sur le dimanche évidemment, puisqu'on n'avait pas de voiture ou très très peu. Les Bruxellois ont très bien joué le jeu, ont envahi littéralement les routes avec les vélos, les trottinettes, les skates et tout ce qu'on peut imaginer, sauf les voitures. Donc ça, c'est super. Nous, on a découvert la ville, c'était génial. On a fait pas loin de 200 km sur les deux jours. Donc, gros rouleurs, les Belgium Wheelers, clairement. Et j'en profite pour les remercier pour tout ce qu'ils ont organisé, pour toute la patience et tout ce qu'ils ont fait pour que tout ça se passe un maximum super bien. C'était vraiment top. Donc, je vous dis à très bientôt et à l'année prochaine à Bruxelles. Ah, ciao !